Ferveur et solennité dans la salle des fêtes d'Akwa dans le premier arrondissement de la ville de Douala. C'était à l'occasion de la rencontre des membres du mouvement fébiste qui s'est tenue le samedi 1er septembre 2023. Une réunion de synthèse et de sensibilisation en prélude aux grands meetings attendus dans les mois qui suivent. Nous sommes ici à l'occasion du mouvement fébiste avec pour leader Franck-Emmanuel Biya. Alors, l'objet et l'objectif de cette réunion aujourd'hui, que moi je ne veux même pas appeler réunion, mais ça sera plutôt un grand sondage en prélude du grand meeting prévu fin octobre, début novembre, d'où beaucoup de choses ce jour seront dévoilées, à savoir qu'est-ce qui se cache derrière le mouvement fébiste avec pour leader Franck-Emmanuel Biya. Nous avons mis les équipes sur le terrain. Il fallait donc qu'on convoque cette réunion pour évaluer toutes les activités qu'ils ont menées, la sensibilisation dont j'ai parlé, la mobilisation dont j'ai parlé, et surtout les conseils civiques qui les permettent d'éviter d'être instrumentalisés, les jeunes. Il ne faut pas qu'ils soient instrumentalisés. Assise qui s'est clôturée par la présentation des membres du bureau. En rappel, inspiré par le discours du président de la République le 10 février 2021, le mouvement fébiste est créé par un groupe de jeunes politiciens qui portent leur soutien infaillible à Franck-Emmanuel Biya, surnommé le champion.